ye na biloko yo atangaki aye kokotisa biso na makambo na ye ya droit. Yo oye kokotisa biso na makambo na yo otanga oyo presha kamikonyonso mutu na mutu na biloko na ye ye pe na ekonomi na ye kokotisa biso. Il faut bato topo na kabato yo ba yebi. Ceux qui a yébité azaka ko accusé, il a fait ceci, il a insulté surtout ko finga moto azaka ko finga azaka mutu mal élevé ko voté yété et ko voté yé ko kende kaka ko finga na musala wa neza makaza kufunda monsieur. En réalité, au-delà de ce qu'on voit tous les jours, le vrai propriétaire ya mabélé comme on dit, kolo mabélé, c'est le peuple. Pona nini bato batiaka libaya bambimisa kambongo yoza kubimisa mbongo po kende kosala musala pona bato donc oza ko se sacrifier pamba ete ya biso c'est-à-dire que toye bakate que biso biso nde koloma bele pouvoir to pesa kana ba député en fait totinda kabango. Le peuple ne soit plus les dindons de la farce. Parce que si on arrive à organiser le peuple de manière à ce qu'il soit effectivement capable de saisir les enjeux à tout moment, de manière à ce que lorsqu'on lui demande « Bon, qui voulez-vous envoyer là-bas » tout de suite, sans réfléchir, il sait qui il faut envoyer. Et celui-là, il va là-bas. Il sait qu'il ne peut pas dévier de la ligne. Parce qu'il est suivi en permanence par celui qui l'a mandaté. C'est à partir de ce moment-là que la démocratie devient effectivement un exercice tout à fait harmonieux et où il n'y a plus moyen de tricher. Voilà. On connaît les règles du jeu. Voilà. Mais souvent, topé saka pouvoir yango na bato parce que baye biko. Baye banso bakoya pona kolombo kosenga. Bukunzi baimbo kande batu bakuloba yo olongo bani to yo olongo bani te yo to kopesa yo yo to kopesa yo te yo to pesa ki yo osele loko mokote mbalo yo to kopesa yo te to botoli yo po biso nde bakolo bukunzi wana biso nde bakolo bukunzi biso bana mboka Kongo to lingi yangonde oyezanga kabiso mbala mingi to lingi nini soki to yebi o to lingi toko mituna nani moto akoki kosala mosala mona mabongi maye esengeli pote moto asala mosala mona makoki maye moto esengeli azanango pona kosala mosala mona tokotala na kati na biso songolo to pakala azana mabongi mana la population il faut ayeba a maîtriser territoire na ye nini tozana ngwao. Richesse na biso eza nini, limite na biso eza nini. Il faut connaissance ya place ba fandi parce que za mabele na bango. Il faut exercer souveraineté na mabele wana, il faut exercer bokonzi na mabele wana. Donc il faut yeba bien mabele wana. Awa tozaka na kana sucre, awa tozaka na bitabe, awa na se mabele tozana coltan, awa. En fonction de ça, connaissance wana. Il faut aller parce que bana na ye na bana na nga oyo oyo déjà banda zaki mwana mukia zaki capitaine équipe ya football oyo azaki déjà chef de classe oyo aye ba déjà o bazana sens ya leadership o bakolo bela baninga déjà parce que eza pouvoir souverain eza pouvoir ya proximité ezay a proximité donc il faut batou ba yebana na ko bandana no na lingala meto ko kota na le côté français ezay ba conseil toza ko pesa o moni télévision so ki a olandi yango il faut ko landa yango parce que ezay ko distraire yo il faut ko landa yango parce que so ki aussi lisi ko landa oza na eloko moko na motu. Il faut que l'on ait un gopé, ce qui au lingi go sambela. Il faut pas que l'on ait un bilanda landa
qui ne vous profite pas. Yango, émission profondeur, vocation na yango, ezali soki ovandi, oyoki batoyo, baza ba invité, okozonga nanda, pardon, après kolanda émission, okotika nan loko moko na mutu. Bon, mon titre, yotopesi, le patron, c'est le peuple. Ça veut dire, en fait, quand le maréchal Azako Loba, ceux qui ont l'andi politique, étaient politiques, comment il disait encore? Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Donc, quand l'anda kaba télévision, nous sommes sur le bout de l'oukoutate. Mais ceux qui ont dit qu'on s'est dit, on a dit pendant 30 minutes, après, on a dit émission on a dit qu'on a dit après, na ko kende na mission wana po na yo ko la mwa eloko. Eloko etikala na mutu, oye ko ki ko sali sa yo. Mes chers amis, nous avons choisi comme titre le patron c'est le peuple. Je crois d'ailleurs que on fera un effort pour mélanger parce que potoyo kana malam le français le lingala. Mais monsieur Bonigaba, le patron c'est le peuple pour vous. Quel est votre entendement? Eh bien, pour moi, l'entendement que j'ai de cette citation, c'est que, en réalité, au-delà de ce qu'on voit tous les jours, le vrai propriétaire, Yamabele, comme on dit, Kolomabele, c'est le peuple. Eh bien, le malheur, c'est que le peuple lui-même ne le sait pas. Ne le sait pas. C'est comme le scandale dans la famille, là. Mm-hmm. Donc, lui, le peuple qui est censé être le dernier recours, celui qui tranche, celui qui a le dernier mot, il ne le sait pas. Du coup, ceux qui arrivent justement à utiliser ce peuple, pour se donner une position, un mandat électif. Une fois arrivé au poste qu'il convoitait, il oublie ce patron-là. Mm-hmm. Et à ce moment-là, évidemment, le patrimoine commun qui devrait être placé dans de bonnes mains se trouve entre des mains. Je ne dirais pas inexperte, parce que ce n'est pas tout à fait ça le mot, mais les mains qui ne sont pas appropriées, qui ne conviennent pas. Parce que, logiquement, le patrimoine devrait être toujours confié à des gens qui vont fructifier, qui vont faire prospérer davantage, pour que tout le peuple, qui est dont le patron, en profite. Mais aujourd'hui, nous sommes l'exemple parfait d'un pays où vraiment le patron ne se connaît pas. Parce que quand on voit comment son patrimoine est pillé tous les jours, non seulement par ceux qui viennent de très loin, mais aussi par les propres fils à qui il a donné ce pouvoir, on se dit, c'est l'exemple parfait d'un peuple patron, mais qui s'ignore. Oui, bah, outi koloba, ezana tina. Ponanini, bato, bato, batiaka libaya bambimisa kambongo yoza ko bimisa mbongo po kende ko sala musala po na bato donc oza ko se sacrifier pamba ete ya biso c'est-à-dire que toye bakate que biso nde kolomabele pouvoir topé sa kana ba député en fait totinda kabango bakende ko sala po na biso. Ce qui va comme Kuna et comme non, Makamboto Lobalelo, yo, télévision, ils allaient. Comment? Donc, devoir la redevabilité, ils allaient wap. Non, parce que Toloba Makambo Mbongo, yo, il faut tous, Bazong, c'est la biso, yo. Patron, ils allaient biso. Monsieur l'abbé, Loba nano yangona, Lamba nano, Lingana Malampo, Batoba yo.
Nous disons le bambou. Ceux qui te disent que l'on a béni les alliés, ils ne sont mais tout moni nini na mboka na biso ba imboka ba botoli bango mabele ezete pete ba yebite ba koiko koyeba na bango te bango nde ba kolo mabele kasi ba botoli bango mabele na bango na français to koba ba exproprier bango donc bango ba propriété bango kolo mabele ba botoli bango mabele na bango alors non seulement que ba botoli bango mabele mais ba kangisi bango monoko po ba lobate ke ba botoli biso mabele na biso soko lobi ba kangio ba bomio soko lobi o memingam ozana na tango ya kolobango te o kokipe kolobango te parce que soko lobi o memingam o memingam o membako bako bomayote quand même bon ba msusu ba kufa ka c'est vrai alors yango na kanisi ezana litomba monene émission yo pote Baimbo kabaye bate loko la biso tozali ba kolo mabele to sengeli ko botolo bato yo ba yibi mabele na biso bato yo ba botolo biso mabele il faut to botolo bango ngo to zungi sa ngona maboko na biso bokonzi eza na maboko ya baimboka baibanso bakoya pona kolombo kosenga bokonzi baimboka nde bato bakoloba yo olongo bani to yo olongo bani te yo to ko pesa yo yo to ko pesa yo te yo to pesa ki yo o sele loko mon kote mbalo yo to ko pesa yo te to botoli yo po biso nde bakolo bokonzi wana biso nde bakolo bokonzi kasi mbala mingi to yeba kango penza te peso ki to yebi yango to sele la kango te po na nini po a ndeko o ya zande ko na ngai oyo ye soki na pesi bokonzi tokolia ye kuna soki na pesi bokonzi tokolia te alors na pesa na oyo soki azwi bokonzi akokanisa ngai tokolia me okolia nini okolia mokolo moko okolia mikolo mibale bongo sima nango okufa nzala okufa nzala ya mwana eza na litoma monene makambo to lingi koloba lelo te baimboka bayeba te bango nde bakonzi pe bango nde bapesaka bokonzi na baebanso bazali koya kosenga bokonzi bona na baelection na maponami. Très bien. Maître Magala, qu'est-ce que vous avez envie de dire? D'abord, rappeler l'origine, parce que quand on dit le peuple c'est le patron, il y en a qui risquent de croire que c'est la création d'Abisso. C'est constitutionnel. Quand la constitution parle de souverain primaire, c'est le peuple, c'est-à-dire le détenteur premier du pouvoir. Et ça lui vient d'où? Un État, c'est quoi en fait? Un État, c'est un territoire délimité sur lequel il y a une population donnée et un pouvoir organisé. Qui organise ce pouvoir-là? C'est la population, c'est le peuple. Pour dire que nous sommes à 80 millions, nous ne pouvons pas tous gérer. Il faut qu'il y ait des gens qui vont gérer pour nous. Alors nous déléguons le pouvoir de gestion à certaines personnes. Pourquoi nous déléguons? C'est dans le cadre d'un vouloir vivre collectif. C'est-à-dire que Mutuna Mutua s'est retrouvé. Que tout le monde vive en se retrouvant parce qu'il a droit à une portion de ce territoire. Et donc, chacun, en déléguant le pouvoir, c'est lui-même qui se délègue à la place, mais qui donne la responsabilité à un ministre, entre guillemets, un envoyé, quelqu'un qui lui doit des comptes, pour dire, va gérer cette histoire pour moi. Et puis tu reviendras souvent me rendre compte. C'est un serviteur. Donc, tokoti angote ke o batu o to tindi basa e la biso musala bako malikolo na biso. Eza ndenge wanate. Eza bisonde bakolo e loko. Mais nous déléguons. Et ces gens à qui nous déléguons, ils ont le devoir de nous rendre compte. Ce n'est pas l'inverse.
Et il faut le comprendre comme ça. Il faut le comprendre comme ça. Ce que nous dénonçons, c'est quoi? Bisson va tout au délégué pouvoir Rwanda. Il faut tous à la connaissance, il y a tous au délégué. C'est-à-dire tous à la connaissance, même la Bible le dit, un héritier, aussi longtemps qu'il est jeune, que c'est un enfant, mais il est traité comme un employé, comme n'importe qui. C'est quand il grandit qu'il se rend compte que je suis le propriétaire de tout ceci. Et il se comporte en conséquence. Donc, faute na biso ezande, tozo se comporter netiba na mikie. C'est-à-dire, to délégué, moutoua pesio polo, au pesio pouvoir na yo. Moutoua pesio, moi masanga, au pesio pouvoir na yo. Et puis, okolukaye 5 ans, akomona na te, okolukaye pana, pour rendre au compte, oyebi koutou place afan na kate. C'est ça le problème. Donc, il faut to yeba déjà au départ que oyo eza pouvoir na ngai na ko pesa ngo mutu te la exercer ngo na kombo na ngai po ce qui problème ezali na ko bengisa ye aya ko bisanga pourquoi ça ne marche pas. C'est ça la souveraineté, c'est ça le pouvoir du peuple et il doit s'en rendre compte. Il faut yeba ngo eza te que so ko moni député abanda ko yemba abanda ko tremble abanda mais le député aza Moutouyamoussala, il y a peuple. C'est ça le terme. Et ça, parce que Bissonio Sotoko Kende Kunate, on dit bon, Binobo Kende, Bolo Belakabiso, et ce qui va se solution au bas, tout le monde a pas solution. Solution à Nézanini, Bissonio Soto se retrouver dans le cadre de l'organisation à Mbokoyo, c'est-à-dire, tout exploiter ma Beloyo, et puis ça, Bisso, moi et Loko Akolia, moi et Loko Akolata, moi et Loko. Il y a que ça, Nango Mombongo, Moutouna Moutoua se retrouve place à Zali. Ceux qui ont simbité, Bozonga, ou à vous expliquer, ils sont simbité pour Nanine. Merci. Deuxième tour de table. Notre ami Maître Magala vient de parler de la connaissance des enjeux et donc des défis à relever. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est là où se trouve le mal en ce qui nous concerne. Parce que, comme le maître l'a dit, si nous avions tous le même entendement des enjeux mondiaux ou continentaux ou nationaux, ce serait un jeu d'enfant de dire bon. Par rapport aux enjeux là et aux défis, ben, il n'y a pas de doute. Pour nous, c'est l'abbé José qui va pour là. Parce qu'il sait exactement ce que nous attendons de lui une fois qu'il va là-bas. Ou bien c'est Maître Magal ou bien c'est M. Kibambi. Donc le fait de ne pas avoir cette conscience exacte des enjeux fait qu'au moment maintenant de choisir ceux qui doivent aller là-bas, on n'a plus cette préoccupation de chercher celui qui, effectivement, a le profil de la fonction à ce moment précis. C'est là qu'on se rabat aux choses. Ah non, mais lui, il m'a donné une bière. Donc, les enjeux pour toi, ça se réduit à une bière, ou à un t-shirt, ou à un petit billet de banque. C'est là qu'il faut agir pour faire en sorte que le peuple ne soit plus les dindons de la farce. Parce que si on arrive à organiser le peuple de manière à ce qu'il soit effectivement capable de saisir les enjeux à tout moment, de manière à ce que lorsqu'on lui demande « Bon, qui voulez-vous envoyer là-bas » tout de suite, sans réfléchir, il sait qui il faut envoyer. Et celui-là, il va là-bas. Il sait qu'il ne peut pas dévier de la ligne parce qu'il est suivi en permanence par celui qui l'a mandaté. C'est à partir de ce moment-là que la démocratie devient effectivement un exercice tout à fait harmonieux et où il n'y a plus moyen de tricher. Voilà. On connaît les règles du jeu. Voilà. Mais souvent, topé saka pouvoir yango na bato parce que baibi ko dénoncer a dénoncé au bien yewana bali. Alekia wa dénoncé a yewana mbali. A komikuna koloba kaka makambo bozoba micro, micro, nyonso, et loko akoloba ya tina ezalite. Botouni yeme. Enfin, mon kilimobimba, tu yebi que
eloko ya makasi na mboka lokola ya biso ezali classe par exemple ba Singapour nyoso wana boyoka kaka Singapour ezali classe ba yebi classe eza batie classe pona nini po cuivre na biso toi ba ndenge to koteka yango po diamant na biso bana na biso ba kende koye ba ba enjeu ba sala kandenge nini na na diamant diamant baza ko eza kota mujumai ce qui okoye nango na inverse baza ko sala ndenge nini au côté juif ya liboso ya yebisio c'est 50000 c'est 500000 francs belges a ko téléphoner na bato nyonso yo bazali wana bi ce qui a comment na bino bokiti sa prix pona nini parce que bana na biso ba yebi yango te bino boza ko ndeko te ka biloko bo yebi yango te donc eloko ya liboso ezali classe mais classe nini kako etikali ki ba etikaki ba noko non to sala classe ezala bien bana na biso bazala na ba na ba instrument po na biloko toza na bango na na mukili na biso ba pétrole ba nini ba nini ba nini kaka ko répéter le corbeau et le renard ce n'est pas ça classe et donc ba oto tindi kuna soki bazongeli biso to moni toza ka corrompre point mais to ko pesa susu bango pouvoir wana po na nini mukili eza kaka corrompre point na kanisi to to yo kani monsieur l'abbé il l'obaye pas na yo kamonde ko modeste alobiawa ezana makamu mibale likamba liboso liboso koyeba posa na yo posa na biso bana ya mboka Congo ezali nini tozana posa na nini eloko ni to sengeli na yango tango na ebi oyo na zali nango posa o na sengeli na yango tango na kozwa moto a musala na koyebisa ye tala musala nga na pesi yo yango oyo tala eloko na zozela epai na yo na musala na pesi yo yango oyo na pesi yo musala wana na tango boye na pesi yo eleko boye mpona osala musala wana na pesi yo poso mobimba to na pesi yo sanza moko to na pesi yo mobu mobimba to mibu mibale to mibu misato to mibu mitano na pesi yo osala musala pe na tango ozali kosala mosala mona na kobanda kotuna yo okomi wapi na mosala yango na eleko boye okomi wapi mpo na yeba soki tozali kokende na esika oyo ngai nalingi te tokoma alors eloko ya liboso liboso koyeba eloko nini biso bana mboka Congo tolingi yango nde oyo ezangaka biso mbala mingi tolingi nini soki toyebi oyo tolingi tokomi tuna nani moto akoki kosala mosala mona mabongi maye esengeli mpo te moto asala mosala mona makoki maye moto asengeli azala nango mpona kosala mosala mona tokotala na kati na biso ah songolo topakala aza na mabongi mana aza moto ya motema monene aza moto ya bwanya aza moto ya mayele aza moto oyo ya lokoso te aza moto oyo ayibaka te aza moto oyo bakoki kosomba ye te na mbongo me boyo baza bandimi bo batangaka na bible me bokoki kokenda kotala na buku ya bobimi oyo babengi exode na chapitre 18 esika moïse bayebisi ye na bakolo bo bazalaki wana bayebisi ye bababi ndenge ozali kosala wana ezali malamu te yo moko président yo moko premier ministre yo moko juge yo moko boye te mpona bato na kati ya bana ba israel mpona bato boye bazali na bwanya bato baye bazali na mayele bato baye bakoki kosomba bango te mpo bazali nde tobi incorruptible bato oyo babangaka nzambe bato oyo babangaka nzambe me soki tobandi koyeba mabongi maye moto oyo tokopesa ye mosala asengeli kozala na mango tokopona lisusu
motonyo sote toko pesa subokonzi na motonyo sote toko tala liboso est-ce que kokisi mabongi mana soki kokisi mangote toko pesa ebokonzi te exemple la ngina pesa maître Magala oyebi to bandi émission ye na biloko yo atangaki aye kokotisa biso na makambo na ye ya droit yo oye kokotisa biso na makambo na yo otanga oyo presha ka mikonyonso muto na muto na biloko na ye ye pe na ekonomi na ye kokotisa biso il faut bato topo na kabato oyo ba yebi ce qui a yebité azaka ko accuser il a fait ceci a insulté surtout ko finga muto azako finga aza muto mal élevé ko voté yete et ko voté ye akokende kaka ko finga na et musala wa neza makaza musala kufunda monsieur maître Magala merci beaucoup si j'ai bien suivi monsieur l'abbé na ba elema misatu ya l'état qu'on a donné là donc les territoires la population et le pouvoir ça donne déjà des obligations à la population il faut ayeba à maîtriser territoire na ye nini toza na ngwao richesse na biso eza nini limite na biso eza nini il faut connaissance ya place ba fani parce que za mabele na bango il faut exercer souveraineté na mabele wana il faut exercer bokonzi na mabele wana donc il faut ayeba bien mabele wana awa tozaka na kana sucre awa tozaka na bitabe awa na sema mabele tozaka na coltan awa en fonction de ça connaissance wana il faut aller basiko yo bana na ye na bana na nga oyo oyo deja banda zaki mwana mke zaki capitaine équipe ya football oyo zaki deja chef de classe oyo ayeba deja o bazana sens ya leadership o bakolo bela baninga deja parce que eza pouvoir souverain eza pouvoir ya proximité eza ya proximité donc il faut batuba yebana o yeba bien mutozo pesa pouvoir ya ko représenter yo alors soko yebi na mabelo zo fanda o maîtriser yango o kotinda mutu en fonction il y a connaissance aux anango ya mabele na yo na ya mutu zotinda di papa awa tofandi tozana problème ya pont kende olobake soki tosaleli bwao ezana foroyo ba pesa biso kaka ndenge ya kokatela ngo tokoti ya pont awa mutu ake na idée fixe donc ezate ke toko senga mbongo ya kosala pont mabele tozana ngo tozana forewa tozana eloko boye to... il faut juste kozwa ngo parce que c'est le devoir du pouvoir de le faire eloko zo boma bisoni on prend des gens qui n'ont rien à voir avec la réalité ou la vie du territoire to pesi bango pouvoir to pesi bango sur base de quoi ayé atié pont na mbongo na yé c'est un achat de conscience. C'est-à-dire départ déjà Isamabé parce que tu commis redevable envers Moutou pas à cause de la qualité naïe mais à cause de Mbongo naïe. Je suis d'avis qu'on doit mettre ça parmi les infractions. Que oui, c'est-à-dire que donner des présents na batou pour pas voter yo, ça doit être une infraction. Il y a corruption ou il y a achat de conscience. Il faut tout pour librement. Librement, en fonction ya mutu, en fonction ya qualité ya mutu, pour que. Bon, ce que l'ingue aide l'État, ça la ONG. Ça l'association, sans but lucratif. Le lucre peut être le pouvoir dans ce sens-là. Ça l'association, sans but lucratif, aide l'État. Mais ce que l'ingue tout pour na yo, tout pour na yo, pour na ba qualité na yo. Donc il faut pas qu'on confonde ces deux choses là. Makambo akoya kawana onga na kosala la bino ponga na kosala la bino eza musala na yote. Eza musala na yote. Yo yebisa biso ide eza boye. Awa tozana coltan, toko sala ngo nini? Toko sala ngo boye 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 boye. Ah!
Donc, kende kuna na kisasa ba modifier loi batie la biso ke toko sala boy boy na kolta na biso to fixer prix awa to traiter ango boy. C'est ça l'objectif, c'est ça qu'on attend pour que vouloir vivre collectif wana tozoloba. Mutu na mutu a bénéficier au même niveau ya richesse ya mabele. C'est-à-dire que ngana kozala instituteur yo kozala pasteur yekuna za banquier mais tozana mabele moko et qui produit ba richesse wana sa, il faut bénéficier na biso nyonso voilà. Chacun par rapport à place azali certes mais to mona quand même dividende ya mabele na biso et là le vivre ensemble sera aura un sens parce que c'est ça l'objectif du pouvoir. Absolument. C'est ça l'objectif du pouvoir, c'est satisfaire au bien-être de la population qu'on représente. Tout à fait. J'ai vu mon ami Mbonigaba prendre note. Oui, je crois que cette émission va rester dans les annales de l'histoire de Numérica comme étant une émission phare. Culte. Parce que là, d'abord, le public auquel nous nous adressons est plus large. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui nous suivent traditionnellement en français qui ne sont pas nombreux. Ils sont nombreux par rapport à l'intelligence congolaise, mais par rapport à l'ensemble de la population, c'est toujours assez limité. Alors que maintenant, avec la vulgarisation que nous voulons donner à ces idées, il y a beaucoup plus de public qui va nous suivre. Alors, Maître a parlé de leadership. Effectivement, nous en Afrique en général, la faillite de l'Afrique, c'est la faillite d'abord du leadership. Mais lorsqu'on dit cela, on n'évolue pas. Parce qu'on va se demander, mais ce leadership vient d'où? Et c'est là où nous nous retrouvons avec ce peuple patron qui s'ignore. Parce que si le peuple savait qu'effectivement c'est lui le patron, mais le premier réflexe qu'il aurait eu, c'est de choisir, mais alors les meilleurs des meilleurs pour faire tout ce qui doit être fait. Le réflexe d'un bon propriétaire, c'est chercher les meilleurs managers pour diriger son entreprise. Donc, nous devons réfléchir sur comment faire en sorte qu'effectivement, seuls les meilleurs, nous l'avons déjà dit ici, pas seulement au plan académique ou scientifique, nous avons montré qu'on peut être un bon académicien, un bon scientifique et être voyou, sans conscience. En cravate. Donc, nous devons arriver à faire en sorte qu'il y ait la combinaison de connaissances scientifiques, mais surtout des qualités morales et éthiques. Parce que si on n'a pas les deux, on n'est pas bon pour ce métier où il faut servir. Et donc aujourd'hui, nous devons nous demander comment faire en sorte que seuls les meilleurs d'entre nous, en 2023, soient élus. Parce que si nous continuons seulement à faire un peu les djalélo et tout ça, 2023, on reprend les mêmes méthodes et on est étonné de voir que c'est à peu près les mêmes visages ou en tout cas des clones de ceux-là qui étaient là, eh bien, on n'aura rien réglé. Tout à fait. Donc absolument, le leadership là, nous devons réfléchir sur comment organiser le patron, parce que nous avons constater qu'il n'a pas toujours fait ça correctement, comment l'organiser pour le rendre tellement exigeant qu'il ne soit plus possible à tous ces moins bons, c'est-à-dire les médiocres, qui se sont retrouvés là parce que justement le système était défaillant, il n'était pas suffisamment verrouillé pour que seuls ces meilleurs-là puissent passer dans les mailles du filet. Comment faire en sorte que désormais, pour 2023, et ça, il ne faut pas attendre des pouvoirs publics. Parce que les pouvoirs publics, c'est un peu le système en place qui se perpétue, qui s'auto-entretient.
Donc ça ne peut venir que de ceux qui pensent le pays comme nous le faisons et qui cherchent effectivement les meilleures formules, les meilleures pistes pour le mettre définitivement sur les rails. Merci. Alors moi je voudrais vous dire une chose. Un jour un grand ministre de Finances me dira, vous savez, toutes les belles voitures que vous voyez à Kinshasa, à part les voitures des ambassadeurs, c'est l'État qui les paye. Ça sort, c'est l'argent de l'État. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, vous avez enregistré la boulimie du Congolais par rapport aux voitures. La première chose à laquelle on pense quand on est au pouvoir, c'est voitures. L'exemple le plus récent, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé, ce qui se passe à la CENI. Il faut que les gens s'installent. Première chose, des voitures. Même les gens qui avaient déjà des voitures dans les fonctions qu'ils occupaient avant, députés et tout ça, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de ces voitures qui sont encore neuves. Ils voudraient encore d'autres voitures. Moi, là où ça m'a fait tiquer, hein, on ne dit pas ça m'a tiqué, ouais, ça m'a fait tiquer, c'est qu'on dit non. On demande, bon, on a dit que vous avez facturé. Surfacturé. Bon, au nom de la redevabilité, au lieu que la maman dise, non, facture, tu peux essayer ma voiture, et ça 40 000 dollars. Non, et comme, à ta binomoko, surfacturation, à ta voiture, il y a 10 000 dollars. Balobito, tu surfacturais 400. Non, on est comme politique. Yo yebisabiso voiture bosengaki ezali na prix nini. Voilà la redevabilité. Kobanda kusa la biso politique té. Hein? Donc honnêtement, vous dites nous avons demandé des voitures de tel prix parce que quand même nous serons obligés d'aller dans des. Voilà ce qu'il faut faire, rendre compte aux gens qui vous ont élu, même si vous avez changé de fonction, et de toute façon, pour que vous continuiez à bénéficier de la confiance qu'on vous a accordée, dites la vérité à la population. Le ministre des Finances a dit faux. Nous avons demandé des voitures de 60 000 dollars. Pourquoi il a dit 40% de plus? Là, au moins, les gens vous respectent et vous disent, la maman où le monsieur a été correct dans ce qu'il a fait. Parce que nous allons vérifier. On ne va pas continuer à vous laisser comme ça, vous empiffrer, et nous qui vous avons élu, parce que c'est grâce aux élections que vous êtes là aussi, hein, pour certains. Donc, cette redevabilité vous rend d'abord respectable, et nous vous devons respect parce que vous êtes une femme, un homme honnête, monsieur l'abbé. Je voudrais revenir sur quelque chose que Modeste a évoqué et Justin a évoqué aussi. C'est, on parle de la redevabilité, on parle des profils, on parle du peuple qui est le patron, mais dans la réalité qui est la nôtre. Lorsque j'ai dit que on nous a exproprié, je crois que je dois aller plus loin pour dire qui nous a exproprié, qui nous a volé ce pouvoir qui est le nôtre. C'est là où se trouve le problème. Si aujourd'hui, ceux qui sont prétendument élus ne nous rendent pas compte, c'est que la réalité est que ce n'est pas nous qui les avons élus, ce n'est pas nous qui les avons choisis, et ils n'ont pas de compte à nous rendre, ils doivent rendre compte à ceux dont ils détiennent, d'où ils tirent le pouvoir. Et c'est ici où il est important que nous disions au peuple la vérité. Et la vérité, elle est simple, c'est que le pouvoir chez nous, on nous l'a volé par les maîtres du monde.
ceux qui se considèrent comme les maîtres du monde et qui finalement ne constituent qu'une mafia politico-financière internationale. Et ces gens-là, eh bien, ce sont eux qui désignent à l'avance qui va diriger tel pays ou tel pays. Et ils vous font faire des élections qui ne sont qu'une parodie. Et vous, vous croyez que c'est vous qui avez choisi, mais en réalité, la personne que vous croyez avoir choisi sait très bien que ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Ah oui. Que le pouvoir qu'il a en main lui a été donné par tel ou tel. Et c'est comme ça que la réalité, qu'est-ce que nous observons avant les élections, au moment où nous sommes en train de parler des élections qui auront lieu en 2023 et tout ça, qu'est-ce que nous observons? Ceux qui aspirent à ce pouvoir, ils vont aux États-Unis, ils vont en Belgique, ils vont en France, ils vont en Angleterre, ils vont en Allemagne, ils vont au Canada, ils vont chez les maîtres du monde, chez les propriétaires qui détiennent le pouvoir. C'est chez ceux qui leur donnent le pouvoir pour donner des garanties et pour obtenir le quitus de ces gens-là. Et après, on vient nous faire jouer un théâtre de chez nous, n'est-ce pas, qu'on appelle le théâtre électoral, n'est-ce pas? Et après, il y a des contestations. Mais quand il y a des contestations, nous l'avons observé, 2006, 2011, 2018, nous avons observé les contestations. Mais qu'est-ce que ça a donné, ces contestations? Rien du tout. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ils forment une clique qui se connaissent, ils savent que nous appartenons tous à la même école, c'est-à-dire nous avons tous les mêmes maîtres, n'est-ce pas? Et quand les maîtres ont décidé que maintenant c'est le tour de maître Justin, eh bien, nous tous, nous allons peut-être gesticuler pour donner l'impression qu'il y a démocratie et tout, mais après, nous laissons maître Justin parce que... On lui envoie notre enfant. Voilà, voilà. Nous sommes entre nous. Entre nous, on va manger. Les loups ne se mangent pas. On va manger quoi, on va manger. Donc, je pense que ce que je viens de dire ici est très important pour la formation conscientisante de notre peuple. Que le peuple sache que si nous avons arraché notre pouvoir de ceux qui nous l'ont volé, nous devons l'arracher des maîtres du monde. Parce que si nous l'arrachons des maîtres du monde, ce que Modeste vient de dire pourra se réaliser. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous rendent pas compte? Ils vont rendre compte à New York, à Washington, ils vont rendre compte à Paris, ils vont rendre compte à Bruxelles. Monsieur l'abbé, je voudrais effectivement vous donner raison, mais en réfléchissant à l'envers. C'est-à-dire, effectivement, compte tenu de la légèreté avec laquelle nos députés nous regardent, compte tenu de l'insolence avec laquelle ils se comportent, l'impression qui se dégage, c'est que s'ils ne nous respectent pas, c'est parce que c'est effectivement pas nous qui leur avons donné ce pouvoir. Oui, ça, en tout cas, c'est l'impression que ils nous donnent. Alors, quand ils reviendront, préparons déjà des questions à leur poser, et en les regardant dans les yeux, dites-leur: nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous avez fait. De 1000 dollars que vous avez aujourd'hui 10 000 dollars et vous nous avez oublié les écoles. Regardez ce que sont devenues les écoles. Regardez ce que sont devenues les... Et préparez déjà les gens qui devront les remplacer. Pas nécessairement ceux qui passent à la télévision en vous disant n'importe quoi. Ils ne font que critiquer. La critique est aisée et l'art est... Difficile. Maître Magala. Merci beaucoup. J'ai l'intention d'intervenir à deux niveaux. Au niveau des maîtres du monde, nous sommes dans la macro-politique. Et là, le changement ne peut pas être brusque. Il viendra doucement. Je suivais l'actualité aujourd'hui. On dit que le président américain a décidé de saisir les 7 milliards de dollars de l'Afghanistan. De quel droit? L'argent d'un peuple, vous décidez de les saisir
et de l'envoyer comme aide. De qui se moque-t-on? C'est l'argent des Afghans qui ont refusé d'être soumis, qui ont refusé d'avoir des maîtres. Ils se sont dit non, nous on ne marche pas comme ça. Ils ont résisté pendant 20 ans. Maintenant, pour les punir, on dit votre argent qui est ici, nous les confisquons et nous allons donner ça à qui nous voulons, chez vous, comme aide. Vous vous rendez compte de... Et c'est ça le quotidien. C'est ça la réalité des maîtres du monde. Mais ne nous focalisons pas seulement sur ça. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a aussi la réalité du pouvoir de proximité. Déjà, qui refuse à un mal élu de bien agir, de bien gérer? Je prends un mal élu, mais qui agit pour l'intérêt de sa communauté. À un moment, il sera bien élu. Pourquoi? Parce que tout ce que nous disons ici vient du bas âge. Redevabilité, c'est en fait ce qu'on a appris à l'enfant à dire merci. À dire s'il vous plaît. C'est ça, ça commence là. Ne demandez pas à un enfant qui n'a jamais appris à dire merci d'être redevable quand il est député. Mais il s'en fout éperdument. Pourquoi? Parce que déjà la famille est disloquée. Et l'essence de la famille a été inversée. Ce sont les jeunes filles qui nourrissent les parents. Les parents n'ont plus rien à dire à ces enfants. Donc, commençons par rétablir la famille. Le pouvoir de proximité s'en suivra. Et on peut constituer des îlots d'une à micro-politique, des îlots d'organisation assez avancée. Et avec ça, nous pourrons booster le reste du territoire. On prend en Afrique le Botswana. C'est un îlot de prospérité parce qu'il y a des gens qui ont dit non, nous on ne marche pas comme ça. Mais chez nous, il suffit qu'on vienne voir mon grand frère Modeste la nuit. On dit ces derniers temps vous n'avez pas d'argent, nous pouvons vous donner 2 millions de dollars si vous acceptez d'être la tête d'une rébellion. Il dit oui, mais après qu'est-ce qui va se passer? Non, après on va aboutir aux négociations, vous serez ministre et ça. Bon, quelqu'un qui n'a pas connu l'éducation sur l'amour de la patrie, quelqu'un qui n'a pas vu autre chose, il est vite parti. C'est pour ça que nous avons des fois des problèmes, surtout à l'Est, parce que les gens ne peuvent pas être redevables, ils n'ont pas appris à aimer le pays. Aimer le pays, ça s'apprend quand on est petit, à aimer la famille, à aimer la communauté, à aimer les amis. Comment vous voulez avoir un député qui n'a pas d'amis? C'est comme s'il tombait du ciel, parce que... Et puis, il n'a rien à vous... Il n'a rien à vous dire. C'est-à-dire, quand il arrive, même chez lui, là où il a été élu, il n'a même pas de cases. Donc, il n'est redevable à personne, en fait. Lui, il sait que je vais m'arranger au niveau de la CENI, et puis Cour suprême, et puis je suis député. Il a son argent. Vous voulez qu'il soit redevable en quoi? Parce qu'il ne vous doit rien. C'est ça la réalité. Tout à fait. Il ne vous doit rien. Bon, Konzinabiso, il faut babanda ko respecter Bokonzi wana. Eza Bokonzi, penza Bokonzi. To vérifier ma kambo nyonso. L'amour du pays, mangana c'est kakami. Vraiment, na kotanga ba kombote, vous savez, le peuple zambien, c'est un peuple poli, gentil. Na bango babandi. Non, voilà, ceux qui doti kimboka ezo kende boy. C'est que dulingi ango ta mukete. To sala tout na Bokonzi na biso, to pona batoyo. Il faut topona baoyo balingi penza mboka na bango baza pre ya kokufa pona mboka wana. Monsieur Mbonikaba. Oui, j'espère que l'émission oyo et que continuer parce que na moni to komi déjà peut-être na suka. Parce que et que dépend na ba téléspectateurs ce que ba singi yango évidemment. Lelo par rapport à ndenge
monde des eaux évolué, il y a moyen de rencontrer les deux préoccupations. Oh, il y a monsieur l'abbé, il y a ma maître du monde, ouais, non? Non, il y a Bissot, il y a Katiao. Parce que finalement, ça se tient. Bah, oh, il y a Awa. Baza batu ya musala ya ba oye baza kuna. Donc, ce que tu lingi qu'on arrête le système wana, il faut tout arrêter en gros dans les deux côtés à la fois. C'est pour ça qu'il faut concevoir peuple, le quoi armé, armé de citoyens. Ils allaient armer à Mandoukité. Armé à citoyens pour utiliser leur intelligence pour mettre fin à la fois à cette domination extérieure. Et naturellement à ces relais locaux. Parce que ceux qui sont à l'intérieur sont des relais de ce pouvoir-là. Donc on ne peut pas espérer l'attaquer seulement d'un côté. Il faut attaquer concomitamment de manière à ce que, comme disait Victor Hugo, que le peuple sera souverain lorsqu'il sera intelligent. C'est-à-dire qu'il sera capable de comprendre ces enjeux-là dans leur complexité, de comprendre que pour arrêter ça en une fois, il faut faire ici on agit comme ça, et ici on agit comme ça, comme, et on neutralise les deux côtés. Donc il faut transformer ce peuple qui aujourd'hui, parfois il est dans le brouillard, il ne voit pas très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut le transformer en armée de citoyens qui... Chacun a une parcelle du territoire à défendre et un niveau de responsabilité à exercer parce que les histoires complexes de relations internationales, ce n'est pas tout le monde qui va saisir ça et qui va donc trouver l'homme ou la femme qui devrait aller là-bas pour aller parler au nom du Congolais à ces gens-là. Donc il y a ce travail qui doit être fait concomitamment. D'accord. Et puis, M. Armin, nous avons pris sur parole. Mais il faut tous un peuple, un gars, attention. Vous savez, peuple, où il y a ces révoltes, car révolte et salakanini et zongisaka mboka na sima. Mais un peuple doit savoir réagir et dire son mécontentement et non pas casser. Vous avez vu ce qui s'est passé en 1990, casser ça sert à rien. On casse. Et puis on devient encore plus pauvre qu'avant. Mais le peuple doit savoir réagir justement parce qu'il est patron. Ceux qui osent patron, il faut réagir. Non, côté à frein, M. l'abbé. Je crois que Makamolobiwana est un atina. Tina, mon aîné Penza. Makamondeko Modeste Salobi est un atina. Makanisi. Ce qui te lingi, te makambo, et bongwana. Tozo lo bela wa élection, be élection, mais na zo mona lokola, tozali kotia be élection, ou bo bele na niveau ya likolo. Président, ba député, et tout ça, na niveau ya likolo. Nzo kani na niveau ya likolo, eza matata. Eza matata, pona ndenge nini, ba kolo mokili, bo ba mitanga ka ba mimona ka ba kolo mokili oto bimba maître du monde na ba sali na bango oto bimba nègre de service na bango bo tozo muna na Afrika, tozo muna na bamboka même na Congo et tout ça, eh bien eza moi pas si pona ko attaquer na niveau wana mais na kanisi eloko oyo to sengili ko senga na makasi penza. Pe salima kala et salima kapeli susu te na tango bakeneki na Sun City pona ko solo la ya ba Congolais babimisa ki mokanda accord global et inclusif na mokanda wana balobi nini mapona mi mako salema kasi mako banda na se toko banana kopona ba chef de quartier ba chef de localité toko mata te toko komana mapona mi alikolo bon nani moto alobaki te. Est-ce que ndako batonga ngo na plafond? Non. Otango obani otonga ndako, okobana na kotia plafond, te okobana kotia fondation. Nzoka nde na mboka na biso, tozotonga ndako na biso babengi Congo, tozotonga ngo mabe. Tozotonga ngo na fondation te.
yangwana na kanisi soki to na likamba ko loba lelo pona mapona mi ya mubu mokoya mapona mi wana ezala liboso liboso te ko pona president ezala liboso liboso te ko pona ba député to bandana no ko pona ba chef à localité ba chef à quartier ba chef à territoire lelo bazo lobelaka 145 territoires mais 145 territoires wana nani apona ba konzi ba territoire wana. Il faut bailler bisa ba vani na territoire et na territoire bailler bani koleka na niveau ya mboka ya mboka ya mboka monene ko a Congo territoire na ngai o na vani na baninga to yebani Justin Zakaboué Jean-Pierre Zakaboué Modeste Zakaboué to yebani tango to koloba to pona mokonzi na biso ya territoire to banda wana pe mokonzi ya territoire ce qui a seli mosala malamu eh bien to recommissaire mokonzi ya commune to ya province to ya ville et tout ça na moyi eh bien to koyeba banani oyo balongi ko bongisa territoire po bakoka pe ko bongisa mboka na likolo et salema ndengo na bipai mosusu na ba France suko tali mutulokola Chirac mutulokola banda ki na se abani na se même mutulokola ba Sarkozy wana abani ki na se azaki boso maire bourgmestre ne balobaka pe bapona ki e bon bourgmestre pe namoi namoi et puis avant bapona e bon bourgmestre atangaki atangaki wapi na kelaso yo elengelaka bato bakoyi koyangela na France bazana o babengi ENA ENA école nationale d'administration bazana ko prepare ba administrateur pour moto de ko pesa e musala aza administrateur a ko administrer biso bon il faut yeba musala mona atanga musala wana yeko na yango po tokoka ko pesa e musala ngo pe asala ngo na ndenge elongo bani ba mama ba tata bandeko na kanisi makambo tolobi e kote limino na mitu eza makambo atina moto na moto aza la responsabilité toza la ba spectateur kote oyo ba acteur kote oyo te biso nyonso elongo tokende alima po mboko oyo ekende liboso ngo mboko oyo bato baza kwanvie biso na kopesa na pesa ka exemple naza contre omoni ba marché e bandi okende na tanga kin marché pardon e bandi okende ba bisika ebele mais pona nini biloko wana eza kosala makaka na bapaya pona nini biso moko tokoki kosala pe biloko na biso ndenge wana c'est-à-dire besoin na mbongo oke na kasavubu mosusu magasin komi na nani na po richesse wana etikala na mboka bandeko nyonso wana parce que tolingi mboka te baoyo baza kosala ba magasin epai na epai bapesaka kaka mwa muke na bandeko na biso mwa muke wana okosala nango nini peut-être maladi lobby yeye kuzwa yo okeyi mais bana ba otika na nini tata mais soki to tongi mboka ata okeyi bana na yo batikali baebi ke papa azalaki ba papa bazalaki na kanisi to yokani. Merci d'avoir suivi ce numéro, le prochain dans deux semaines, c'est comme ça hein? Je me suis pas trompé, dans deux semaines. Au revoir tous les amis de Lubumbashi, de Kolwezi et de partout à travers le monde, sans oublier ceux de Kinshasa, bien évidemment. Bonsoir. Bonjour.